Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous poste la recette d'un tagine tunisien. Alors il ressemble pas du tout au tagine marocain, mais plutôt à une tortilla espagnole. Alors nous on fait le tagine tunisien quand on fait un couscous à côté ou une salade ou pendant le ramadan. Je vous mets tout de suite la liste des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser cette recette. Alors il vous faut des pommes de terre. Ces pommes de terre, vous allez les éplucher, les laver, les couper en dés, les faire frire ou les cuire à l'eau salée. Il vous faut du blanc de poulet ou deux cuisses de poulet désossées ou du thon que vous allez faire cuire dans un filet d'huile de tournesol. Dans une grande assiette, mettez les pommes de terre frites dans l'huile ou cuites à l'eau, le poulet cuit ou du thon à l'huile. Vous allez mettre le persil lavé et haché. Ajoutez le fromage vache-kiri. Ajoutez un sachet de levure chimique. Ajoutez le fromage râpé. Ajoutez le sel. Une demi-cuillère à soupe de ras el hanout. Une petite cuillère de piment en poudre, fort ou doux. Du poivre noir. Cassez les œufs un par un. Moi j'en ai cassé 4 d'abord, puis après j'ai mélangé. Et après, on rajoute les œufs au fur et à mesure jusqu'à avoir une consistance un peu liquide. Versez dans un moule de 24 cm, légèrement beurré. Puis enfournez à 190 degrés pendant 20 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Alors voici le tagine tunisien est prêt. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire les recettes que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube et à me dire comment vous le faites. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager ma vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.